Bonjour! Alors nous, c'est Jen et Victor. Et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. En juillet 2021, nous avons décidé d'acheter un camping-car. Il s'agit d'un Autostar 491 sur porteur C25, mis en circulation en 1992. Nous l'avons rénové pendant un an avec l'aide de notre famille et on est drôlement fiers du résultat. Cet été, on a décidé de faire notre premier road trip. On a pris la direction de l'Espagne et Victor nous a préparé un sacré itinéraire. Malheureusement, au bout d'une semaine de voyage, un incendie est intervenu dans notre camping-car. Après qu'il ait passé un mois chez un garagiste en Espagne, je suis allé récupérer notre camping-car et je l'ai ramené en France, dans le sud-ouest. Cependant, les travaux sur le faisceau électrique sont loin d'être terminés. Nous allons déposer notre camping-car chez un électricien automobile, mais en attendant, je me réapproprie le véhicule. Bonjour à tous, là il fait actuellement 40 degrés dans le camping-car, regardez. Donc c'est assez chaud. J'ai plusieurs petites choses à faire dans le camping-car, notamment au niveau de la cuve à eau. Donc Jen vous avait expliqué dans une vidéo précédente qu'en fait le bouchon du haut, il fuyait, enfin il était cassé, on avait dû le découper avec une scie sabre. Et donc quand on remplit trop la cuve, bah forcément ça ressort au niveau du bouchon. Donc je vais mesurer le diamètre et commander un bouchon neuf, ça au moins il n'y aura plus de problème à ce niveau-là. Je vais aussi commander une jauge pour voir le niveau d'eau de la cuve à eau propre. Là je suis en train de vider la cuve et ce qu'on disait en fait de là où ça fuyait, c'est là, c'est au niveau du bouchon. Parce que le bouchon, vous pouvez voir ici, on a dû le découper à trois endroits pour pouvoir l'écarter un petit peu puisqu'il avait été collé. Et donc là on a mis un gros collier de serrage autour avec du téflon et en soi ça allait, ça débordait pas. Ça a uniquement débordé quand on a rempli la cuve à fond. J'en profite également de vérifier tout ce qu'il y a dans les placards parce que je vais vider le camping-car avant de le déposer chez le garagiste. Je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a encore dedans. On a nos deux barbecues. Au début on trouvait ça pratique, après utilisation je pense qu'on va en changer parce que c'est vraiment pas l'idéal. Il y a ces petites choses là qui ont été rajoutées à plusieurs endroits dans le camping-car. Donc c'est des prises 12 volts. Donc il y en a une ici et une là-bas dans le coin. Ici, et on pense qu'on va les enlever parce que on n'est pas du tout sûr du branchement, de comment ça a été fait. C'est possible qu'il y ait de la perte de puissance de batterie à cause de ça. Enfin, si je sais pas si je dis pas une bêtise là. Et on en a pas l'utilité en soi. Tout ce qu'on branchait, on le branchait ici. Et aussi, on trouve que notre batterie cellule, elle est un petit peu faible. On a réussi à tenir avec pendant une semaine, mais c'est parce qu'il faisait vraiment super beau. On était en plein soleil, donc on arrivait à charger nos ordinateurs, etc. Mais on aimerait bien avoir une solution de secours quand même. On se tâte entre refaire toute l'installation solaire sur le toit, plus changer la batterie de la cellule, etc. Sachant que ça risque d'être un peu compliqué parce qu'on n'a aucune idée de comment ça a été fait avant. Ou sinon, autre solution à laquelle on réfléchit, c'est de prendre une batterie, les batteries nomades électriques avec un panneau solaire en plus. Donc affaire à suivre, on veut augmenter notre capacité d'autonomie en électricité tout du moins. J'ai une question du coup par rapport à ça. J'ai regardé pas mal de vidéos des gens qui ont des batteries nomades. Eux, ce qu'ils arrivaient à faire, c'était brancher leurs panneaux solaires qui sont sur le toit directement sur leur batterie pour les recharger grâce à ça. Mais regardez, moi je vais vous montrer. Hop, moi donc les câbles du panneau solaire ils arrivent, ils sont sous ce format là. Je vois pas trop comment je pourrais brancher directement ça à une batterie en fait. Voilà, aidez-moi si vous avez la réponse à ma question. Votre aide est la bienvenue. Bon, malheureusement après plusieurs tentatives de reconnexion, j'arrive toujours pas à avoir un niveau avec la cuve à eau propre. Donc je vais recommander une nouvelle sonde. Donc je vais percer ici et il y aura 4 tiges de différents niveaux qui vont venir dans l'eau. Et en fonction de chaque tige qui touche l'eau, ça m'indiquera un niveau. Donc il y aura 4 niveaux, un quart, la moitié, 3 quarts et plein. Le panneau de contrôle, il va venir ici, là, au-dessus ou à côté. Le père de Victor a pu installer la nouvelle sonde de niveau de la cuve. Et le panneau de contrôle est bien en place. Donc un grand merci à lui, encore une fois. Et j'essaie de trouver un nouveau bouchon pour ma cuve à eau ou de réparer celui-là. On m'a parlé de petites billes en plastique qui fondent et que je mettrai ici au niveau des endroits où on a découpé, donc là et là. Ce projet n'est pas encore finalisé. Si vous avez des références ou des recommandations, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Donc ça c'est ce à quoi je m'attaque tout seul comme un grand. Donc le but c'est d'enlever ça là-bas. Donc de regarder jusqu'où vont les câbles pour les débrancher à leur origine. Donc je viens de me rendre compte d'un truc, je suis assez content. Parce que si c'est ça, c'est que c'est assez simple. C'est que donc le premier câble rouge il vient là. Et le deuxième, le noir il va là. Et je vois que pour les autres trucs qui sont en 12 volts, c'est exactement pareil. Donc si je veux brancher quelque chose d'autre en 12 volts, il me suffira de mettre une des deux en bas et l'autre en haut, sachant que j'ai encore pas mal d'emplacements. Donc franchement ça c'est assez cool. Et puis à côté ça doit être la même chose mais en 220 volts. Bien évidemment je suis pas branché au secteur parce que bon, on va éviter de mettre du 220 volts dans le camping-car sachant que je vais toucher au fil. Et puis voilà, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. Allez c'est parti. Je commence par le rouge ou le noir.
On va commencer par le noir. Hop. Et voilà. Donc c'est débranché. Bon là c'est pris en bas en fait dans les... au niveau des tisserflex. Là je vais pouvoir les couper. Donc ça c'est bon. J'ai réussi le premier. Je suis content. Alors on est maintenant au niveau du deuxième compartiment où il y a de l'électricité dans le camping-car, donc c'est-à-dire ici. J'ai enlevé la plaque, c'est pour ça qu'on voulait un boîtier qui était démontable pour pouvoir avoir accès assez facilement au câble qui était derrière. Maintenant j'ai accès à tout. Alors l'objet du délit, je pense que c'est celui-là, cette installation-là. Grâce au Wago, en fait, ça m'a pris 5 secondes d'enlever les choses. C'est vraiment super facile d'accès, donc j'ai juste dû enlever mes deux câbles. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à tirer et on pourra dire au revoir à cette petite prise. Et remettre la planche comme si de rien n'était. Alors j'essaie de comprendre comment fonctionne cette petite chose qui est là-bas. Mon régulateur de tension. Maintenant, vous voyez, on est d'accord, je vois mes deux voyants qui clignotent en vert. J'ai regardé sur la notice. Si le panneau clignote en vert, slowly flashing, bel accent anglais, ça veut dire que ça charge. Par contre, si la batterie clignote en vert, ça veut dire que c'est plein. Donc comment la batterie peut être pleine et que ça charge en même temps? Je comprends pas. Il y a un loup là. Slowly flashing, peut-être, oui, elle est pleine, c'est bien. Mais du coup, lui, normalement, il devrait être en solide, fixe, à pas bouger, en normal. Ma batterie cellule, elle est là. Elle est à 13,3, donc bon, on peut considérer qu'elle est pleine. Je n'ai pas trop de réponse à ça. Je vais essayer de me pencher dessus, mais bon. Le problème, c'est que la notice est en anglais. Et Jen n'est pas là pour faire la traduction, donc on va se débrouiller comme des grands. Je viens d'essayer une petite chose et je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, quand on voyageait, on branchait la glacière sur le câble justement qui sortait là-bas, que je viens d'enlever. Et la glacière s'allumait pas. On la mettait du coup au niveau de la prise allume-cigare qui est là au bout de mon doigt. Là maintenant, j'ai essayé de la mettre sur celle-là. Et puis maintenant, bah, ça fonctionne. Donc bah, je sais pas trop ce que j'ai fait. Ou je sais pas, peut-être qu'on l'avait pas essayé sur cette prise là. Mais dans tous les cas, ça fonctionne. Donc franchement, c'est super. Je vais voir là, vu que mes batteries sont pleines et qu'il fait beau, à quel point ça les fait baisser. Et voir si on pourra la laisser brancher tout le temps, la glacière, vu qu'elle refroidit vraiment quand même pas mal. Bon, après, elle est un peu bruyante. Et je sais pas s'il y a un thermostat dedans ou là. Ah bah en fait, bon, je vais voir si... Ouais, ok, je sens qu'il y a du froid qui sort par là, donc en fait ça va être la fin de vie de cette glacière malheureusement. Bon, en attendant là, de toute façon c'est pour voir si mes batteries se rechargent bien et se déchargent bien. Bon, mes batteries soit elles se redéchargent très vite, soit il y a un autre problème parce que tout à l'heure j'étais à plus de 13. Et là maintenant je suis déjà plus qu'à 12,8 sur celle du haut, 12,9 sur celle du bas. Petite différence, il n'y a plus de siège, je l'ai enlevé. Oui, je sais, ça c'est moche. Il faut qu'on le change aussi parce qu'on l'a cassé en fait. Donc j'ai surtout enlevé le siège pour avoir accès beaucoup plus facilement à la batterie. Pour pouvoir la tester, on va voir ce qu'elle dit. Et même pour les travaux qui vont devoir s'effectuer ici, je pense que le garagiste sera content d'avoir plus de place en fait. Donc le siège, on le remettra que quand tous ces problèmes seront finis. Donc là, on peut voir la batterie avec le petit convertisseur qui est là. On a un plus, enfin un moins. Plus, ou un plus et un moins. Et donc les câblages qui sont faits dessus. On peut voir que le convertisseur, il est branché directement, donc c'est le fil noir. Celui-là qui va là-bas, il y a un des câbles donc ouais, qui est le panneau solaire et il y a également un autre câble qui part vers la batterie du moteur parce que voilà les deux sont couplés en fait. Si je dis pas de bêtises, hein, sinon arrêtez-moi. Et après tout ça, ça va ici pour partir après partout dans le camping-car. Je vais demander confirmation à mon père quand même quand il sera là, c'est trop, je vous dis des bêtises. Donc, concernant la batterie, on peut voir que c'est une 12 volts et qu'elle est de 90 ampères, qui est pas énorme pour une batterie externe je pense. Peut-être qu'en changeant uniquement la batterie, on pourra gagner pas mal en autonomie. Ça pourrait être très sympa. Je vais voir avec John si on commande une nouvelle batterie ou pas, et quitte à la faire installer par le mécanicien en électricité automobile qui va réparer le camping-car, si on lui demande ça en plus, je pense que ça nous irait bien aussi. Et s'il peut jeter un coup d'œil aussi au reste du circuit de l'intérieur du camping-car, ce serait vraiment l'idéal. Comme ça au moins on serait vraiment serein. Alors, j'ai été rejoint par l'expert qui est là, tout bronzé, qui va me montrer comment on fait pour aller chercher la tension. Donc on met un truc sur le plus, un truc sur le moins. Et qu'est-ce qui s'affiche? 12,46, ce qui est bien pour une 12 volts. Elle est pleine là. Pour moi elle est chargée. Mais... ouais, mais regarde pourquoi ça m'affiche pas la même chose ici, là-haut. Ça, c'est autre chose. Là, ça me met 12,8. Nous voilà sous le capot pour faire exactement la même chose. Ici, j'ai 12,9 sur celle-là. Celle-là, l'affichage, il est bon. On est un peu en train de tout tester dans le camping-car, enfin tout ce qui est électrique. Et du coup, là, on teste l'électricité qui rentre dans le convertisseur. On a 12,55. Et ça, c'est ce qu'on envoie à la batterie. Donc, c'est normal. Donc, c'est la fin de cette journée. Je suis plus ou moins mitigé parce que, bon, on a fait quand même pas mal de choses au niveau de l'électricité. Bah, surtout des vérifications en fait. Et enlever les deux prises qui me plaisaient pas du tout. J'ai vidé la cuve à eau. Je l'ai nettoyée. Donc, ça, c'est bien aussi. Comme ça, c'est fait. Et maintenant je vais regarder ma glacière pour voir si elle a un peu baissé en température, sachant que j'ai mis un thermomètre à l'intérieur.
Voilà, donc on a une température de 18 degrés. Au niveau de la capucine là-bas, vous voyez, c'est pas du tout la même température. Là, on est plus proche des 40. Donc elle fait son petit travail quand même. Je suis en train de continuer à vérifier l'installation solaire du camping-car pour voir ce que ça donne. Et bon, en allant voir le panneau solaire, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une couche de saleté dessus. Une énorme couche de saleté dessus, donc je pense que ça aide pas à son rendement. Donc je vais nettoyer ça. Voilà, vous pouvez voir le panneau solaire. Regardez, quand on passe juste son doigt dessus, il y a quand même une grosse couche de poussière. Il est tout propre, ça m'a pris 3 minutes. Nous, on n'a pas l'habitude de le faire, mais sinon, les gens qui en ont, ils doivent le nettoyer assez régulièrement, parce que c'est vrai que c'est ça qui donne quand même une partie de la puissance du panneau. Je suis allé faire des petits achats pour le camping-car. Je suis allé à Action. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette fameuse boîte, donc qui contient un réchaud. Je l'avais déjà vu. J'avais hésité à l'acheter plusieurs fois, mais là, au final, je me suis dit, il en restait plus qu'un. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient déjà acheté ce modèle-là. Ceux qui l'ont acheté et qui l'ont, n'hésitez pas à me dire si vous en êtes satisfait pour qu'on sache à quoi s'attendre avec Jen. Voilà, donc ça, c'était le premier achat. Toujours chez Action. Je pense que les camping-caristes connaissent aussi le produit pour la cassette, un petit harnais pour Popeye. Et le plus important que je cherchais depuis très longtemps, des extincteurs. Donc vu que j'en ai trouvé enfin en vente, j'en ai même acheté deux. C'est des extincteurs à poudre de 1 kg, ils sont tout neufs. Je suis rassuré d'avoir ça dans le camping-car après l'incident qu'il y a eu, comme vous l'avez vu, en Espagne. Voilà, donc j'ai accroché un petit extincteur ici. Et pour plus de sécurité, en voilà un deuxième devant. Donc avec le système de fixation, franchement, c'est super, ça tient bien. Comme il restait à Victor quelques jours à passer dans le sud-ouest, il avait prévu de partir 3 jours sur les routes avec sa cousine Camille, qui voyage elle aussi avec un véhicule aménagé. Malheureusement, un petit incident sur sa roue a contrecarré leur projet. Malgré ça, ils vont quand même passer quelques instants ensemble et nous partager cela. Je vous montrerai son chien après, qui est l'objet de son voyage. Vous pouvez la suivre sur Instagram. Donc ça, c'est son chien. Donc c'est Rimanmen. Elle met des photos tous les jours de ce qu'elle fait. Et voilà. Alors à l'intérieur, il y a quand même pas mal de place. T'aimes bien dormir dedans ? Oui, je dors bien. L'installation, elle était compliquée de l'attente ou pas ? Un peu. C'est bien. Comme ça passait pas en largeur, il a fallu... Il a fallu découper. Couper en plastique, puis maintenant ça passe. Et un autre aménagement, ça c'est sous la tente, il y a une petite rangée de LED qui fait comme ça, et qui est super pratique le soir pour voir quand t'es caché sous ta petite tente. Donc durée du voyage, combien de temps dans la 207? 3 mois, on y croit. Jusque la destination finale qui est de... L'Espagne. Oh, coucou. Et voilà à quoi ils passent leur journée. Ça les défoule. Ils s'amusent bien. T'es contente de voir ta copine, hein ? Camille a donc installé une tente de toit sur sa Peugeot 207. Et c'est sur un coup de tête qu'elle a décidé de partir en voyage. Malgré l'immobilisation de son véhicule, Victor et elle ont maintenu leur projet de balade dans le sud-ouest. Donc voilà, comme prévu, vu que c'est moi qui ai fait le guide, on est perdu. J'ai trouvé bon de couper à travers champs. Au final, on est complètement perdu au milieu des bois. Le problème, c'est que c'est plein de ronces. Et du coup, il faut porter les chiens pour éviter qu'ils s'abîment trop les pattes. Donc on va rebrousser chemin, sachant qu'il faut monter tout ça. Je vous ai pas parlé de cet endroit là, de ce qu'on allait faire en fait, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on met les mousses, c'est pas très joli parce que ça dépasse, c'est pas exactement fait pour la bonne taille, vous voyez, et du coup en plus si on s'assied sur le bord, ça peut tomber. Donc ce qu'on va faire ici, celles là elles vont partir de mousse, on les remettra pas, on va garder que celles là les trois qui sont là, et on va redécouper un autre morceau qui va aller tout pile ici, parce que là ça faisait un peu du brique et du broc, et comme ça bah là on aura notre beau coin canapé. Et après il faudra qu'on trouve un bon couturier pour nous refaire des housses d'une autre couleur. Donc c'est terminé pour ce petit canapé. Ah, pour l'essayer, c'est top.
Donc je viens de stationner le camping-car à la grange. Donc la prochaine étape, c'est rendez-vous chez le garagiste le 19 septembre pour qu'on lui dépose le véhicule. Il va déjà y jeter un coup d'œil pendant 2 jours et l'expert passe le 21 pour lui dire ce qu'il faudra faire et estimer le coût des réparations. Donc on croise les doigts pour que tout se passe bien et on en saura plus du coup le 21 septembre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez ou à mettre un petit pouce ou à vous abonner si c'est pas encore le cas pour suivre la suite de nos aventures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.